Aujourd'hui, je vais jouer à Fortnite pendant 24 heures. Récemment, je suis parti en vacances et à cause de mon départ, j'ai perdu beaucoup de niveaux sur le jeu. La mission du jour va donc être simple, le retrouver et avoir de meilleures mécaniques à la fin. Pour ça, je vais jouer sur ma nouvelle map Late Game Solo, ça va me permettre de m'entraîner et de m'améliorer. Pour y jouer, c'est très simple. Vous allez dans le choix des modes de jeu, vous cliquez sur code de l'île tout en haut. Là, vous entrez exactement ce code et vous mettez entrée. Elle s'affichera donc. Une chose très importante, s'il vous plaît, faites-le. Cliquez sur le petit cœur, ça prend que quelques secondes et ça aidera beaucoup la map. Ensuite, vous mettez sélection. Et puis bah vous pouvez lancer. Pendant que la game se lance, n'oubliez pas comme d'habitude la petite boutique. Soutenez un créateur, code OISE, ZZ dans les 4Z et vous mettez accepter. Ok c'est bon, on est arrivé en game. Donc là comme d'habitude, hop, je vais faire le gros rush. Je vais spam pour avoir de l'XP. On peut le faire à l'infini, c'est trop bien. Hop là, on est tous dans les airs. Oh let's go, j'ai un bon stuff. J'ai eu un space 12 violet. On va se boxer mais je sens qu'on peut faire un petit carnage. Si mon but c'est de retrouver des mécaniques, faut quand même que je joue assez agressif. Faut pas que j'ai peur de prendre des fights. Bah après, faut les prendre intelligemment. Parce que sinon... Tu dégages ! Mort. Sinon je vais être comme ce mec et je vais mourir bêtement. Franchement les gars, je suis trop content d'avoir ma propre map. J'y joue très très souvent. Ce que j'aime bien, c'est que je me dis que là j'affronte beaucoup d'abonnés. C'est sympa au moins. Ouais, j'ai un mec, il a mis un bush dans sa box. Il est dans son cône. Oh, ce qu'il a pris. Alors là, je vais direct comme ça. Il est là-dedans. Salut. Ça à moi. A plus mon gars, Baros da Wish. Moi j'ai un monteur de Wish frérot. T'as sûr si je t'attrape toi? Je parle sur Fortnite hein. Ça va lui, pas de soucis. On a déjà 2 kills mais c'est pas le genre de fight que j'ai envie de prendre. Moi il me faut un truc avec beaucoup de mécanique et tout. Hop comme ça. Hop, un HP, mort. Y'a un mec derrière encore. Ok, je vais mettre un coup de roquette bélier. C'est bon, je suis sorti. C'est en train de très hard, c'est trop bien. Franchement pour vous améliorer, vous entraîner, je vous le conseille hein. Hop, on fait des petits extens. Aïe. Non, je suis mort. Vas-y, c'est pas grave, c'est le début de l'entraînement. Allez, on est reparti. Cette fois, j'ai encore un meilleur ponce passe en or. Non, mais là, j'ai plus d'excuses. Je suis content d'avoir l'arme, mais d'un autre côté, bah, si je te peins pas, je suis vraiment une merde. Exactement, ouais, 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 ouais. Ça marche pas, ça marche pas. Oh, la vie d'entraînement, elle fait tellement de bien là. Attendez, mais c'est moi, ultime up. Hop, dans ta face. Aïe, aïe. Ah, dans ma face. Bon, bah, je suis obligé de me taper la grosse, hein. Y'a la zone qui push en plus, non. Non, j'ai pas eu le temps. Ok, coup de roquette bélier. Parfait. Chez, il y a un ZDFR qui est mort. Ok, faut que je me retaille. Le problème c'est que mon rocket bélier est en train de se recharger. Faut que je me cover comme ça. Un HP. Oh, mort. Il a voulu faire le pusher avec moi celui-là. Je l'ai dégagé au lobby. Faut que je prenne un peu de hauteur. Hop, parfait. Regardez-le là. C'était lui. Et bah alors, on est mort mon gars. Bah oui, il fallait prendre une meilleure décision. Ouh, touché. D'ailleurs, vous, quand vous partez plusieurs jours et que vous pouvez pas jouer à Fortnite, est-ce que vous êtes de la team qui revient et qui est 2 fois meilleur qu'avant, on sait pas pourquoi? Ou est-ce qu'au contraire, vous perdez du niveau comme moi? Franchement, ça m'intéresse. Ah ouais, là, ça part en build fight carrément pour le high. Non, mais faut que je sois plus concentré. Allez, c'est pas grave, la prochaine, c'est la bonne. Troisième game. Allez, cette fois, j'y crois encore plus. Je pense que mon positionnement était mauvais. Faut vraiment que je me mette un peu plus excentré, sinon je vais encore prendre le focus de toute la terre. Je vais y aller step by step. Attends, on dit step ou step? Ouais, je sais pas. Déjà là, je suis à un endroit où il y a beaucoup trop de monde. En général, c'est bourbier ça. Allez, c'est pas grave, je vais monter un peu. Un HP. Les cracks maintenant. J'entre dans la box. Frérot, faut aller en zone. Ok, j'espère qu'il va mourir. Moi, bon, en attendant, je me barre. Ah, ça passe. Vous voyez, c'est là où je dis que je suis pas efficace dans les fights. Ce mec là, j'aurais dû le tuer beaucoup plus tôt. On a encore 19. La zone est par là. Vas-y, je vais faire des petits excès encore comme ça. Par contre, j'ai pas beaucoup de matériaux. Il me faudra un refresh. Ça me fait un peu peur parce qu'à chaque fois que je fight, je me fais foudroyer. Oh, mais il est là mon refresh. Faut que je prenne tous les mats. Hop, nickel. Et j'ai pu remonter dans ma petite box. Vous savez quoi, sur cette manche, je vais tryharder le top. Objectif, faire top 1. Je vous jure, le niveau il est corsé sur la map. Hein. Mes abonnés ils sont trop forts. S'il y avait eu que des EDFR, ça aurait été trop facile. Je vais retake ici. Hop. Perfect. Mort. Parfait ça. Simple, efficace, rapide. Normalement la zone elle est encore dans mes construits. Voilà, elle est juste là. Les étoiles s'alignent pour que je réussisse. D'ailleurs comme vous pouvez le voir, j'ai un roquette bélier. Il y a des joueurs qui sont pleins en solo. Je sais pas si je dois l'enlever ou pas. Franchement dites moi Nous de base on a voulu vraiment reproduire la méta exacte. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis. Mais si jamais il vous dérange, bah on l'enlèvera. C'est ça aussi qui est cool avec cette map, c'est que vous savez que je suis un créateur qui va beaucoup vous écouter. Regardez tout l'XP que je gagne là toutes les secondes. Plus 1000 d'XP par seconde. Oh, on a vraiment abusé, on en a mis beaucoup trop. Il y a un mec qui a l'air d'être sous pression. C'est peut-être le moment de l'harceler. Oh oh, y'a un mec avec le pompe en charge là. Ça, faut pas me faire écouter ce bruit, c'est mon pompe préféré. Ouh, à la PM, ça revient bien là. J'ai un bon shoot. Il a osé dire un bon shoot, hein. Regardez, juste regardez. Ah, ça va, c'était au début le monteur. Ok, on va se concentrer sur la zone. J'ai essayé de me renseigner un peu sur la hauteur. Je pense que je vais mettre un coup de roquet de béni pour la prendre. Et voilà, elle est à moi. Là j'ai carrément du métal. Hop, on ramasse. Plus 260, c'est incroyable. Y'a plus que 4 joueurs. Faut que je fasse gaffe, voilà aussi ces roquets de bélier qui vont essayer de tout casser. Ah!
Il est bien crack, hein. Tranquille. Hop, on se boxe. J'ai un petit Medibrume. On reload les armes. C'est vrai que ça va carrément jouer à la zone. Mais vous êtes des tryharders, les gars. Regardez, il y aura plus de cercle de tempête. Oh là là, mais j'ai l'impression d'être au chapitre 2. Ouh, les cracks. Et je prends le top 1. Voilà, quand on tryhard, on y arrive. Allez, on continue, on enchaîne. Là, maintenant, il faut des triple edits des grosses mechas. Game number 4. On hérite toujours du space en or. Mais ça, je crois que c'est le destin. Il veut me faciliter les choses. Oh, attends, toi, tu veux me drop dessus, mais... J'allais dire que maintenant il faut réussir à faire 5 kills pour pouvoir s'entraîner bien en fight, mais j'ai le pire stuff. Pour moi, d'un côté, j'ai une motivation. Faut que je trouve des meilleures armes. Presque crack. Je l'ai atomisé. Roquette bélier, se passe en or carrément. Ah, j'ai fait mon marché là. Allez, c'est parti. Là, le monteur, je vais te choquer. Ok. Là, le monteur, je vais te choquer. C'était pas tout de suite. Vas-y, je me suis fait chier dessus. Contrairement aux parties d'avant, cette fois, on n'a pas forcément le meilleur pompe, mais on a l'une des meilleures aires. On a la MK Alpha. Ça veut dire que je vais leur m'adapter et prendre des fights d'un peu plus loin. Ok. Mais c'est un fou furieux. Je me fais chier dessus. Comment je dois progresser, moi? Allons, on est reparti cette fois. J'espère survivre. Surtout que j'ai un pompe que je trouve assez intéressant cette saison. C'est celui qui casse les construits. Autant avant, je la mets pas, mais là, pour le moment, ça va. Allez, toi, déjà, tu te prends un 106. Tu t'es cru ou t'es chez moi, là? Oh, damn! Voilà, Terry Frank, ça dégage. J'atterris au lobby. Carrément, je le dépouille, je prends tout ce qu'il avait dans ses poches. Vous savez que je suis vraiment devenu accro au late game. Avant que la map sorte, je vous disais tout le temps que je jouais jamais en hors stream et tout. Là, des fois, je claque des 3-4 heures sur la map, c'est une dinguerie. Parfois, je joue aussi sur la duo, elle est aussi intéressante. Si jamais vous avez un pote ou quoi, bah vous la lancez. Je pense que vous allez kiffer parce que ça peut vraiment vous entraîner en teamfight à deux. Comment prendre les bonnes décisions, bien jouer en équipe et tout. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, on va en profiter. Si jamais ça vous intéresserait, la même map mais en trio. Je sais pas si c'est un mode de jeu qui vous chaufferait. Les commentaires sont là pour ça. Boxer. Oh, oh, je l'ai outplay. Je l'ai atomisé. Ça fait deux jours que je joue et c'est pas pour rien. Regardez ça, hop. Voilà, ça revient petit à petit, les gars. Wouhou. Toi déjà. Ok, je me calme. Non mais après, cette PM de loin, elle est pas forte. Moins zéro. Non. Mon pompe a pas tiré. En plus, je suis mort par le même skin. Allez, c'est pas grave, on attend la prochaine. C'est la dernière game du jour. Je commence à fatiguer, ça sert à rien de forcer. Je vais essayer de finir en beauté avec un petit top 1 quand même. J'en ai un boxé ici, 36 une fois. Il est quasiment crack. Oh, c'est quoi ce fight? Dommage, j'avais un kill à récup. En vrai, vous savez que j'ai plein d'idées de contenu sur la map. Genre, j'aimerais bien faire un tournoi. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de joueurs avec un très bon niveau. Du coup, bah ça pourrait être pertinent. J'aimerais aussi faire s'affronter des duos youtubeurs sur la late game duo, ça pourrait être sympa. Bref, je sais quoi faire, faut juste que je prenne le temps de le faire. Un HP. Oh oh. Oh, il s'est fait arracher devant moi. C'est la galère, mais bon, c'est le but qu'il y ait une zone qui me course. Oh, oh damn. Je m'en sors plutôt bien. Est-ce que j'arrive à me shield? Les Exen sont quand même beaucoup plus propres. Hein. Ça serait trop beau de finir par un top 1. J'ai la hauteur là. D'arriver là, 37, bloqué. Faut bien céder de la zone, elle met tellement de damage. Perfect. Et c'est le top 1 qui est validé. Oh, il y a quand même une belle progression. Bon, eh bien, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, vous aussi, à aller jouer sur la map et à me faire vos retours en commentaire. Il y a la solo si jamais vous aimez ce mode. Et il y a la duo si jamais vous l'avez avec un pote. Ou même tout seul. Peut-être que vous ferez une rencontre dessus. Tout dépend de vos préférences. Sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.